goûtant une autre petite page Théis. Elle n'est pas mauvaise. Peut-être pas aussi bonne que à Lisbonne, mais elle n'est pas mauvaise. Good one. But it's not as good as in Lisboa. Par contre, dans celle-là, on dirait qu'ils ont mis de la cannelle à l'intérieur. It's like cinnamon is inside instead of the top of the pastéis. Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. I hope you're well everybody and welcome in this new stage. Alors aujourd'hui, nouvelle étape. Normalement, nous avons 26 km à faire environ, sauf que nous n'irons pas jusqu'au bout, tout simplement parce que l'auberge est fermée. Et normalement, on doit aller à la ville de Cernache. Cernache, je vous montre. I show you. Normally we must reach Cernache, but there is only one albergue and it's closed. I think it's because it's winter time. Je pense qu'elle est fermée parce que voilà, elle est fermée en hiver tout simplement. Donc nous essaierons de nous arrêter 6 km avant. On va faire que 20 km aujourd'hui, logiquement, à Conimbriga. Pas Coimbra, c'est encore loin là, on va pas faire 40 et quelques bornes. So we will reach Conimbriga today. Try, at least. Donc on va essayer de trouver une machine à laver, un sèche-linge, puisque ça, c'est assez galère en fait à trouver dans les auberges de l'expérience qu'on en a eu là. C'est assez compliqué, ouais, de trouver de quoi faire un... Bah une machine quoi, tout simplement. It's a bit hard to find washing machine and a dryer since the beginning of this Camino. So we really need to wash our clothes with Tiziano. And because we need a dryer, the temperature is not warm enough to make our clothes dry in the morning. En fait, on peut les laver, hein. On peut laver à la main hein, les vêtements. Mais au petit matin, c'est encore mouillé, donc c'est pas agréable. Il fait pas assez chaud pour mettre le linge à sécher dehors. Donc voilà pour le programme de cette journée. Et je vous raconte un petit peu la fin de soirée. Bon, je vous filme pas tout. Hein. I don't record everything of my day, of course. I can't. But yesterday evening, we ate with Filomena. And Carlos was a new pilgrim. He's from Spain, from Barcelona. Donc on a rencontré un nouveau pèlerin hier qui s'appelle Carlos et qui est originaire de Barcelone. Alors il nous a dit il a 71 ans. He's 71 years old and he's doing a lot of distance. Unbelievable. C'est incroyable, la distance qu'il parcourt, il nous a dit, il a fait plusieurs caminos déjà. Bref, et donc nous avons mangé un menu pèlerin à l'auberge. Il propose un menu pèlerin pour 10 euros. Et c'était super bon. On a eu en entrée une soupe avec des épinards. First for our menu pilgrim, they have a menu for the pilgrims. It was a soup with spinach. And after a plate with rice and pork meat, it was very tasty. Et après on a eu du riz avec du porc en fait, de la viande de porc, qui était délicieuse. Voilà, et ils nous ont proposé un petit verre de vin rouge qui était offert dans le menu. And a red wine with a menu for free. So it was a good evening. Donc on a beaucoup échangé tous les trois et c'était un bon moment convivial que je n'ai pas pu vous filmer, je peux pas tout filmer non plus. Hein. Et donc sur ce, allez, hein. On est déjà en route. Let's go, vamos!
Eh bien, nous avons à peu près les mêmes décors qu'hier, pour l'instant. Par contre, aujourd'hui, ça caille un peu plus. Là, ça va un peu mieux, mais beaucoup de vent. Un vent assez froid depuis ce matin. J'ai même pas mis ma veste, pour vous dire, je suis encore en t-shirt à manches longues. The landscapes are a bit as yesterday, until from the beginning until now. And it's a bit cold this morning. The wind is cold. Et depuis quelques jours, comme vous pouvez le voir, on a le balisage qui est mieux fichu, je trouve, que les premiers jours. Donc là, ça va, on se perd pas. Hein. Je vous le confirme. Now we have all the arrows and the panels. It's completely different than the beginning of this Camino. It's better now. You can't be lost. Et pour vous tenir un petit peu informé sur la situation avec mes pieds, bah ça va un peu mieux aujourd'hui. J'ai désinfecté les ampoules avec de la bétadine. Et j'ai mis un petit compide par-dessus. Talking about my feet, I put some betadine, it's a product for disinfecting, for my blisters, yesterday and today I feel a bit better, not completely healed, but almost. Visite d'une petite église dans un village. Bien, et bien, il est 11h, nous avons pris notre première pause, café. Alors ça, pour du jaune flashy, c'est bien flashy. We just took our first coffee break. We were exchanging with Tiziano and Filomena, and maybe we will go to Coimbra today, finally. On a peut-être changé notre destination et aller jusqu'à Coimbra. Ça nous fait encore 23 km depuis là où nous sommes actuellement. Et nous avons déjà fait 10 km, donc ça va faire encore une sacrée étape. Mais bon, on va voir, on n'est pas encore sûr. Et voilà, les journées typiques des pèlerins. Également, acheter les courses au supermarché. Bacalao. Et regardez-moi tous ces fromages, si ça donne pas envie. Quanto pane? Des fromages au piment, des fromages à l'origan. Mais aussi mon rayon préféré. Comme c'est bizarre, chorico, chorizo. We are buying some groceries for our lunch too for today, actually. I was looking at the cheese. It looks so tasty. Une fabrique d'huile d'olive. Bien sur la route. Bon, je suis un peu en retard. Après, chacun son rythme hein, sur le Camino. Il y a des jours, j'ai envie de prendre un peu plus mon temps. Je suis derrière le groupe. Et c'est vrai que le fait de vous faire des vidéos et de vous parler à travers la caméra, ben, on se sent moins seul également.
Sorry, I didn't translate. It was behind was an oil factory, I think. And I was saying in French, I'm a bit late with my group. But at the same time, because I'm speaking with you, with my camera, it's like I'm not alone. J'adore ce paysage. Je ne sais pas si vous voyez les éoliennes au fond. En zoomant peut-être. Vraiment à l'horizon tout en haut. J'adore, ça fait... ça donne cet esprit de grandeur. De grands espaces. I love these windmills in the background, very far from here. It gives you this feeling of like it's huge all around you. I love this feeling. Alors, comme vous pouvez le voir, petite pause au repas avec chorizo, fromage à l'origan. Voilà notre petit casse-croûte du midi. Chorizo con with cheese, with oregano and bread. Looks amazing. We are starving actually. Apparemment, il y a un pivert dans l'arbre là. On essaie de le chercher. There is a bird. You can hear it, I think. Inside, I think, yeah. Il doit être à l'intérieur. He's on the top inside, I think. Bon, je profite de ce petit moment de vidéo. J'ai une pensée toute particulière pour un proche, sans m'étaler sur ma vie privée. À Sylvain qui subit une opération après un cancer aujourd'hui. Donc voilà, a little thought for someone around me called Sylvain. He has a surgery today against a cancer. Just a little thought. Alors pile sur le chemin, on vient de rencontrer, je pense qu'il y a un ancien pèlerin qui vit ici. Je ne sais pas comment le chien va réagir. Coucou, hello. Non, je pense pas. Hello, baby. Et apparemment, tous les pèlerins peuvent venir. C'est super sympa. Il y a de la nourriture apparemment, du thé, du café. Et à en croire les paroles d'une pèlerine qui est passée par là, si vous vous souvenez de mes vidéos précédentes, Emma, elle est bien loin devant nous. Je crois qu'elle est déjà à Coimbra. Et elle nous a dit que c'est un ancien pèlerin que vous voyez au fond là, qui vit ici actuellement, apparemment. C'est super sympa. Merci à lui d'offrir ça à tous les pèlerins. It seems like it is something for the pilgrims, apparently. I think this man that you can see far, he's living here, apparently. A pilgrim said to us before, that man is living here. It's an old pilgrim. It's very kind. And it's cute. That's nice. Nice spot. Thanks to him. Vous voulez peut-être pas être filmé, non? Non, ça va, ça va. C'est bon? D'accord, merci. C'est juste pour vous demander, que, voilà, c'est à vous le lieu Non, je suis pèlerin comme vous. D'accord. Et vous vivez ici du coup? Je me suis arrêté quelques temps pour... D'accord. Pour profiter du silence. Intéressant, ok. Et comme on n'est pas très loin de Fatima, on va souvent là-bas. D'accord. Et du coup, il y a un propriétaire ici, ouais, qui gère le lieu? D'accord. Vous êtes bénévole en fait? Ouais, je reste là, ouais. Avec, ouais. D'accord. Trois mois. D'accord, ouais. Ok. Waouh. Ouais. Il est magique le lieu en tout cas. J'adore. Ouais, c'est tranquille. Ouais. C'est pour ça que je reste un petit peu là. Mmh.
Donc pour vous faire, to make the translation in English, he's a bénévole, I don't know in English. It helps the owner of this spot, this location. He's here from 3 months, around 3 months. Just want peace and silence because it's a good area. Mm-hmm. So he gives a lot of help here with all the garden and for everything. I think you understood. That's super. Il y a un tampon spécial, special stamp here also. Wow, nice one. With a special cross of Santiago. Avec la croix de la croix de Santiago, pardon. En reprenant la route, je crois qu'on a des paysages de fou. J'adore. Bon, y a des arbres qui ressemblent un peu, je trouve, à la savane. Allez pas chercher à comprendre pourquoi, mais ça me fait penser à la savane un peu. Je vous montre. I love the trees in the very far from us. We are doing the safari. Background. Yeah, we are doing a safari. Safari the in my opinion, it looks like all these trees looks like the savanna. It's a safari. It's beautiful. It's our alberg. This is our alberg for tonight. Voilà notre auberge pour ce soir. Allez, salut, ciao. Petit conseil pour tous ceux qui peuvent. Tiziano, I show you just for the stick. It's a good thing to have a stick. If you can, it helps. Whatever your age. Tiens, encore un perché dans l'arbre. Une espèce de mini observatoire, je sais pas ce que c'est. How do you go up? Again in the tree. N'empêche que c'est mon rêve de passer une nuit dans un arbre comme ça, en forêt. Ça se fait beaucoup maintenant. Ça doit être tellement bien. This is my dream, to sleep one night in a tree. I need to do this one time. Bon ben voilà, hein, la super mode pilgrim. On s'arrête faire une petite pause avec une belle vue d'ailleurs. C'est magnifique par ici. A little break for us. Now it's almost 3 p.m. Il est quasiment 15h. Et on se demande toujours si on va aller plus loin, donc on ne sait pas encore. On va voir. Mais pour l'instant, petite pause et je pense qu'on va se prendre une petite bière. A little beer, I think. Et voilà, j'ai craqué pour une petite bière. On a essayé une tulipa. I tried a tulipa. That's the name of this beer. Alors tout au fond là, je ne sais pas si vous pouvez l'apercevoir, ce sont des ruines romaines apparemment. Site archéologique. It's an archaeologic site, Roman one, that you saw in the beginning of this video, in my drone footage. Vous l'avez vu au début de cette vidéo, dans les vidéos de drone que j'ai fait normalement. Eh bien, nous voilà arrivés à l'albergue de Conimbriga. Donc, ben, en fait, on vient de discuter pendant un quart d'heure et on va pas avoir le choix que de rester dans cette auberge. Parce que, en fait, le prochain village, les auberges, pardon, et les hébergements sont beaucoup trop chers. Et puis, si on va jusqu'à Coimbra, c'est trop loin. Ça nous fait 3 heures de plus. Il est déjà 15 heures. On va arriver, le temps de faire des pauses en plus. On va arriver, il sera 7 ou 8 heures. Donc, ça va pas être possible. Moi, je dois bosser et tout. Enfin, on va fatiguer. On va fatiguer, donc on va pas pousser plus. So, we exchanged about where to sleep today. So, we stopped here in this albergue. We don't have any choice. Because the next village is too expensive, and the next after the albergue is closed because it's winter time, so we can't. We decided to stop here. Sorry, I'm a bit tired at the end of the day of the stage because, yeah, as I said before, we found nothing. So I have a very good advice for this Camino.
If you want to wash your clothes, it's very tough. It's very tough to find washing machine and dryer in the Alberges. So it's like I have to wear my clothes since 4 days at least, the same, 3 or 4 days. It depends if you want to be clean very often or not. Donc un bon conseil pour ce Camino Portugais, c'est très compliqué de trouver des machines à laver et des sèches-linges dans les auberges. Donc méfiez-vous, attention. Malheureusement, ce soir, on n'a pas trouvé. Et si vous voulez, autour de nous, ben, en fait, il n'y a pas de laverie automatique comme on trouverait au bord des supermarchés, par exemple. C'est pas partout. Donc, ouais, honnêtement, par rapport à l'an dernier, c'est beaucoup plus compliqué à trouver également. Donc, be careful about washing machine and dryer. Donc, je vous avoue que porter les mêmes affaires, smells so nice. I love it. Bon, voilà, donc nous avons fait une étape d'environ 20 km. C'est pas, voilà, c'est une étape normale, on va dire. Mais d'un côté, ça nous permettra de peut-être de visiter Coimbra dans les prochains jours. Bah, demain, pardon. Demain, normalement, on y arrive demain. Comme ça, on aura le temps de faire une petite sieste. Ça ne nous fera pas une trop grosse étape demain. Et puis voilà, on pourra un petit peu visiter. Et pourquoi pas goûter quelques plats locaux du Portugal de nouveau. So tomorrow we will reach Coimbra. We will have more time and we will have a siesta before visiting maybe the city a bit. I don't know. It's always a new day, a new surprise. So I don't know. We will see tomorrow. Our body and everything. That's the Camino. You can't plan everything. It's almost improvisation. Pour terminer là, je vais finir cette vidéo. Hein. Je sais, il est tôt. Je vais pas vous montrer plus, mais ça va me permettre de m'avancer comme d'habitude dans le montage de la vidéo d'aujourd'hui et puis dans mon travail. Je vous fais peut-être un petit tour de l'auberge également. Donc, comme je vous ai montré, là, on a l'entrée. Donc, c'est l'albergue de Onimbriga, tout simplement. This is the name of the albergue for tonight. So we have the kitchen to cook, microwave, and that's all, a little fridge. Donc on a un micro-ondes, un petit frigo, une plaque, heater to cook. This is showers, one for the man, one for the girl, for the woman. Et voilà, classique, hein, les toilettes, les douches. C'est une petite auberge apparemment, a small albergue for tonight, and the rooms. And as you can see, Tiziano is already in the bed. I want to do to be in the bed also. I'm super tired. Et donc on a 4, 5, 6, 7, 8 lits, 8 beds in this albergue apparently. Voilà, que dire de plus? Honnêtement, c'était une très belle étape par contre, de beaux paysages aujourd'hui. Very good landscapes today. It becomes more and more beautiful, so it's a good stage. A lot of up and down, also. Beaucoup de montées de descente. But I hope you enjoyed this video. So, seeing to subscribe if you like my video, to like and comment, it's a good help for me, a good support. Pensez à vous abonner, à liker, à commenter, à partager ma vidéo si vous avez aimé. Et puis voilà, je ne sais pas quoi dire de plus, je pense qu'on a fait le tour. Bon, ben écoutez, sur ce, je vous dis prenez soin de vous, take care, everybody, all of you, and see you tomorrow. À demain. Ciao, ciao, bye bye.